On va parler de Christophe. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je voulais rebondir sur si certains propos de Christophe Gatti Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas ce n'est pas le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est on est parti. Alors les gars, Christophe nous fait savoir que il ne pensait pas que cette polémique irait si loin. Ce qu'il ignore, c'est que lorsque tu coaches le PSG, tout est médiatisé. Et parfois même, tout, est, tout sort même de son contexte. Quand tu coaches le PSG, tout est sur -médiatisé. Tout est su analysé Donc, ne pense pas que tu seras l'entraîneur du PSG et tu seras, franchement, on va te caresser. Ne pense pas que tu seras l'entraîneur du PSG et on va te faire des cadeaux, les gars. Lorsque tu es l'entraîneur du PSG, tu vas subir des polémiques, tu vas subir même parfois des injustices. Donc, il devait vraiment s'attendre à ça. Et c'est vraiment dommage de voir un entraîneur comme Christophe Gatti finir son passage au PSG ainsi, seulement sur les polémiques, sur les problèmes, etc. Pour moi, je continue de penser que c'est un très bon entraîneur, c'est juste qu'il euh, n'a pas été à la hauteur du PSG, tout simplement. Mais pour moi, c'est un bon entraîneur. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. C'est sont dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao.